je sers les plats, hein, c'est moi qui sers, qui fait la cuisine. C'est ça le rôle du parrain ici. Fais la cuisine, tu sers les bières, tu sers les mains et tu parles aux copines des artistes quand ils sont sur scène. Donc j'ai dit finalement, la cuisine je vais la laisser à mes musiciens et moi je vais m'occuper des gonzesses, des mecs. Hein. Vous le dites à personne hein, parce qu'ils sont pas censés le savoir. Ça reste dans une histoire de partage. Nous, musiciens, on est sur scène pour donner du bonheur aux autres. C'est ça, pendant une heure et demie, deux heures du temps, on est là pour faire ça. Et quand on a affaire à une organisation qui est faite avec des gens qui ont envie de donner quelque chose aux artistes, eh ben nous, on a envie encore de donner quelque chose de mieux. Et c'est cette transmission, je veux dire, d'ondes positives qui font la magie, pour moi, de certains festivals comme celui-ci. On s'y sent bien, mais vraiment, c'est pas pour faire de la lèche à ce festival-là. À chaque fois, je remarque la même chose. Je pense être pas le seul artiste à remarquer ça. Déjà qui regroupe la famille des guitaristes, c'est vrai, ici les mecs qui sont morts de guitaristes, ils se retrouvent dans leur élément. Ce qui est plutôt bien ici, c'est que on rencontre des grands, des très grands, des gens qui nous ont fait rêver, moi qui me font encore rêver, mais dans le même espace, dans le même endroit, voilà, tout n'est pas si cloisonné que ça comme le pourrait l'être certains festivals. Et donc souvent ça crée des rencontres, ça crée des choses assez uniques qu'on ne retrouve pas sur d'autres endroits, d'autres festivals. Donc, c'est ce qui fait la particularité pour moi de cette belle manifestation. Et puis il y a une ambiance qui est une ambiance sympa. Et qui est bien organisée, hein, franchement, voilà, c'est bien organisé quoi. L'organisation, l'ambiance, l'accueil, je pense que c'est un très bon festival, une très bonne réputation. Et pourvu que ça dure. Moi c'est la troisième année de suite que je viens. Et écoute, j'habite juste à Saint-Just. Donc pour une fois qu'on peut picoler à domicile, franchement on est bien quoi. On t'aime Jacqueline.
peu comme d'autres festivals à leur début. C'est le côté sympa, justement, entre l'usine, à 100 000 personnes. Voilà, taille humaine, exactement. Fest, c'est super, mais c'est très grand. Ici, c'est vrai qu'on a vite fait le tour, c'est sympa, et on est près des scènes. On est près de la scène, on voit les artistes vachement bien. Il n'y a pas 15 000 festivaliers qui sont en face de nous pour accéder à la première scène, et du coup, c'est ça qui est intéressant, quoi. Comme Glenn Hughes ce soir, c'est formidable. Steve Vai l'année passée, Scorpion hier, Extrême demain ou samedi, formidable. C'est cool quoi de voir des artistes comme ça qui viennent chaque année, ça fait grave plaisir, et surtout à Saint-Julien. Tu peux voir des gens très très pointus, des super gratteux que tu vois généralement plus souvent aux États-Unis, et là tu les vois à côté de chez toi. Donc ça c'est cool. Nobody's here because they feel like everyone's here because they want to be. Yeah, and so it's just, I think overall, just the atmosphere is just very, it's just relaxed, and there's no pretense. You know, there's nobody walking around with a chip on their shoulder or anything, and everybody, you know, everybody looks happy. Everyone's having a good time. So I think everything, the audience, the artists, everybody here who's helping with the organisation, it's just, yeah, it's very different to any other festival I've been to, and in a good way, in a very, you know, it's definitely a positive. Actually, it's just different. It's on another level. It's just, yeah, there's a lot of interaction between musicians. I mean, the one thing, most festivals, certainly I've been to, everybody's kind of got their own little kind of area that they stick to, whereas with this one, everyone just mingles and chats and has a drink and has a jam. You know, like musicians just get together. They, hey, let's have a jam. This one's in A, or this is in C. And do you want to sing a verse? I'll sing a verse. It's just, yeah, it's... Yeah, it's like no other festival I've ever been to, so I'd, yeah, definitely recommend it to anybody. L'art en scène, c'est né d'une équipe de copains, ça a évolué vers 260 bénévoles à l'année. Et en parallèle, du coup, les organisateurs du festival et le comité ont décidé d'utiliser des systèmes satellites pour utiliser l'esprit de guitare en scène sur d'autres opérations. On a depuis quelques années des masterclass. On demande à des professeurs des quatre coins de l'Europe, des profs de guitare, des musiciens, de venir donner des cours à une vingtaine d'élèves. Great artists who share what they are doing. The idea is much more like
this guy is famous, but he can come and teach to regular people basic stuff, but also a little bit of his, you know, the way he thinks about music, the way he, you know, he thinks about his job. Le but de ces masterclass, c'est de pouvoir contribuer à la boîte à outils donc de chacun. Et après, chacun va épuiser les outils dont il a besoin, il les stocke, en espérant que le moment venu, il puisse aller chercher le bon, quoi. But also, when I'm sharing the information, it also clears my mind for my own playing, which is incredibly, sometimes you feel almost like a criminal because you want to share the things out, and at the same time it crystallizes your own mind. Even yesterday when we were jamming, 2 hours after my masterclass ended, we were jamming, I was doing improvised solo, and at some point I was thinking about all the things that I was talking to the students. And that you never do. Yeah. Et du coup, c'est bien, je pense que tous les élèves qui sont passés ont vu, ont traversé un peu l'histoire du rock, de tous les musiciens, leur vision. Et donc je pense que pour quelqu'un qui est de l'extérieur, qui arrive, il a ça, après il va faire, il va voir les concerts en plus de ça. Enfin, pour lui, il vit guitare pendant 4 jours, 5 jours. On est tous mobilisés autour d'un projet, on est tous mobilisés autour d'une passion et on découvre qu'en fait, les tremplins, ben, y a des super groupes. On a une session, on a en à peu près 300 candidatures par année. On fait un comité d'écoute, on sélectionne que 12 groupes, on fait 4 sessions et 3 groupes qu'on retiendra joueront sur le festival l'année en cours. Le tremplin donne de l'importance au groupe, que tu gagnes ou pas, rien que le fait d'être sélectionné, en fait ça veut dire que tu as quelque chose en particulier. Et en fait ce que ça apporte, c'est beaucoup de reconnaissance parmi les musiciens. Les musiciens, ils viennent me voir sur tout le festival, ils viennent me parler de ma musique. Ça te permet à toi de pouvoir démarcher derrière aussi. Tu dis ben voilà, on fait le tremplin guitare en scène, ou même après on a gagné le tremplin guitare en scène. Puis c'est ah ouais, guitare en scène, mon petit festoche, ça aide beaucoup. Ça nous a aidé ouais, à commencer à faire tourner notre nom, et on a pu le voir aujourd'hui avec des gens qui nous avaient vus déjà l'année dernière, qui connaissaient nos morceaux, qui venaient nous voir, tout ça, des gens qui ont pris un billet exprès pour nous voir. Donc c'est vrai que. C'est vraiment cool. Dire, c'est plutôt que d'aller vers ce que tout le monde attend, bah, continuez votre voie, restez différent, restez ce que vous êtes, et puis pourvu que les autres le regardent et vous découvrent, si on a contribué à ça, bah, c'est génial.
Well, I'm loving it. I'm loving it, man. This is great. I mean, I had a great time out there. The audience was fabulous. You know, people were great. Well, I had no idea that there were volunteers, you know, with such great attitudes and willingness to want to help you and support you wherever you needed to go or what to do. So my hat's off to all the volunteers, and God bless you. I think it's great. You know, there's great musicianship. You guys had some serious bands here. I'm glad to be a part of it and to come back, as I said, again. When I rolled in here today, I totally remember a lot of our stuff since Motorhead was here. And it feels like yesterday, and it's 7 years ago. No, the whole idea is great, but I was looking for the drummers around here. But maybe we should have a drum festival. And I have to say, I think this was the loudest crowd so far. It might be because we're in the tent, so it's a little louder, but we've been doing outdoor shows up till now. But no, fantastic crowd. We get that response, we can take ourselves to another level and give it back yet again to these guys. And if they then come back, which they did today, magic is there. Besoin d'amour aujourd'hui.
Il a besoin d'exaltation, il a besoin de se déconnecter du quotidien et d'une société qui devient difficile. Et tout ça, il faut encourager cela car c'est nos seuls alcôves de liberté. C'est ma soeur.